À chaque fois qu'on parle d'Afrique, c'est toujours coup d'état, problème, maladie, malnutrition, si moun ka mouri grand goût. En bien, c'est ça, médias européens ou bien médias occidentaux, yo présenté nous comme Afrique. En bien, m'pral moutro dans la vidéo ça, l'autre face cachée de Afrique là. Et seul côté, nèg yo moutro Afrique belle, c'est dans le cinéma. Lorsqu'on regarde des films Black Panthers, on regarde gon côté en Afrique, relé Wakanda, mais après, c'est là que toute dernière technologie au Chita, c'est une zone qui vraiment très, très, très développée technologiquement. Mais ça, c'est science-fiction en menant réalité. M'gal moutro 5 villes en Afrique qui pi belle dans le continent ça. On a regardé ensemble avec moi très rapide. Avant de commencer la vidéo, il y a une bagaille que m'a supplié pour capable faire, c'est abonner sur page si vous faire ça et puis like vidéo, partager le bail des 3 amis pour que travail ça capable aller vers l'avant. On aller très rapide. Une première ville que m'a présenté, c'est une ville qui est Abidjan. C'est une ville qui est située dans le pays ça qui est Côte d'Ivoire. Ville ça en pile fois, est toujours comparé avec Manhattan ou bien Montréal. Tellement ville ça belle, il y a un paquet de belles buildings là-dedans qui toujours attire en pile touristes. Et une marque qui est très populaire dans ville ça et qui attire des milliers de touristes chaque année pour visiter ville ça, en mais c'est une belle mosquée qui est dans ville ça. Touristes toujours voulaient visiter par rapport avec architecture. Mosquée ça lui même les gains c'est un bagage qui est vraiment extraordinaire et un paquet l'autre détail encore en ville ça qui toujours attire touristes d'un coup gagne un grand musée dans ville ça dans musée ça au capable qu'on ait tout ça qui a rapport avec histoire pays sacré les Côte d'Ivoire c'est une ville qui c'est un chef d'œuvre dans continent ça qui c'est Afrique. Deuxième ville que je présente c'est un chef d'œuvre en Afrique c'est une ville qui est les Kigali. Kigali c'est capitale pays sacré les Rwanda nous connaît Rwanda c'est un pays en Afrique qui est en émergence. C'est un pays qui a fait un pile effort dans les dernières années. C'est une ville qui est vraiment extraordinaire, qui est vraiment belle, qui a une série d'architectures, qui a une série d'immeubles, qui est vraiment belle, qui est vraiment attractive. En bien en ville ça, une caractéristique li c'est propreté qui est dans ville ça. Touristes toujours félicité ville là par rapport avec propreté. Ville ça toujours propre, li toujours clean. Yon l'autre bagarre encore dans ville ça qui attire des milliers de touristes chaque année, c'est un centre de commémoration qui a été fait par rapport avec victimes de génocide ça qui était gagné dans l'année 1994. C'est un grand génocide qui était passé dans pays ça, côté que t'es fait en pile victimes. Pensez que m'a fait vidéo plus en détail pour m'expliquer au génocide ça qui te gagne dans pays ça qui est le Rwanda en mais plus précisément dans la capitale là qui c'est Kigali en mais un centre de commémoration qui est fait pour capable expliquer qui ça qui t'est passé réellement vrai dans année 1994 en mais une ville en Afrique qui plus belle en mais c'est Kigali. Troisième ville c'est Nairobi. Nairobi c'est une plus grande ville dans le pays ça qui est le Kenya en Afrique. Actuellement là n'a pas il y a là plus que 4 millions de monde qui vivent dans ville ça qui est le Nairobi. Mais une bagaille qui toujours attire touristes aller dans ville ça qui est le Nairobi en bien c'est parce que ville ça a un paquet de club là-dedans. Même j'ai fait une vidéo, m'te parlé de Las Vegas, il y a un paquet de club là en bien ville ça qui est le Nairobi tout un paquet de club qui toujours attire touristes aller là-dedans. Surtout, il y a une vue nocturne qui est vraiment très belle, très animée. Et il y a une autre bagarre encore qui dans ville ça qui toujours attire en pile touristes. Il y a un grand musée qui relève Karen Blixen. Karen Blixen ça son musée qui est vraiment formidable, mais qui toujours attire des touristes chaque année dans ville ça qui relève Nairobi. Son ville qui vraiment belle, qui vraiment propre et qui vraiment très 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 amusant. En bien si toute fois mais visiter une belle ville en Afrique, pas oublier Nairobi. Quatrième ville, ensemble avec du temps, bien son ville créée les Tunis, c'est capitale pays sacré les Tunisie qui trouve dans le continent Afrique, là, mais plus précisément dans l'Afrique du Nord. En bien, majorité touristes qui toujours visitent la ville, ça, c'est moun qui sorti en Europe surtout. C'est moun qui aime l'histoire. Parce que en dans la ville, ça, il y a un grand musée créé les Bardo. Et en dans le musée, ça, il y a une série de collections de mosaïques qui existaient depuis sous l'Empire égyptien, là, qui est là, qui est installé en dans le musée, ça. En bien, c'est bagay qui vraiment belle pour moun qui reme histoire, pour moun qui reme antiquité. C'est une bagay qui attire en pile touristes dans ville ça. L'autre caractéristique ville ça encore, c'est question architecture, c'est bâtiment, comment yo fait, comment yo yé et comment moun yo vivre dans ville ça. C'est un bagay qui vraiment extraordinaire. C'est une ville en Afrique qui plus belle et qui attire en pile touristes chaque année. Ville sacrée les Tunis, dans le pays Tunisie, c'est une ville qui vraiment très belle.
Et dernière ville pour nous finir, c'est une ville qui trouve dans le pays Afrique du Sud, pays Nelson Mandela. Nous tous là, nous connaissons l'histoire Nelson Mandela. Et je vais vous faire une vidéo en détail pour m'expliquer nous histoire Nelson Mandela. Si toutefois nous avons aimé ça, faites-moi comme ça dans les commentaires. Mais ville ça que je vais parler là, c'est une ville créée Johannesburg. C'est une ville qui est très belle. Et il y a un paquet de lieux touristiques dans la ville, ça, c'est un bagage extraordinaire. Il y a un paquet de musées, il y a un paquet d'immeubles qui conseillent des architectures qui sont vraiment belles, qui trouvent dans la ville, ça créée Johannesburg. En bien, yo même fait qu'on est c'est une ville qui est riche dans pays ça qui relie Afrique du Sud. Et c'est ça qui fait yo classé parmi villes en Afrique qui est plus belle. C'est comme si vous étiez dans une grande ville en Europe ou bien aux États-Unis. Moi présente aux 5 villes seulement juste pour éviter faire vidéo ça trop long. Mais grand paquet l'autre ville encore en Afrique qui est superbe, qui est très belle, qui est très propre, des bagages que média ou pas jamais parler. Si toutefois, yon jour vous voulez visiter l'Afrique, en bien dans 5 villes ça que me présenter là, monsieur certain ou t'as supposé passer là-dedans yon quand même. Et si toutefois t'aimes cette vidéo, fais-moi connaître tout parce que nous pral porter plus vidéos qui parlent surtout de l'Afrique. Nous bon rendez-vous une autre fois pour vidéo qui est vraiment intéressant. Ciao ciao.